Bien bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur Spirit and the Mouse, troisième épisode donc pour ce petit let's play. Donc on en était là, la fille et le mémoire, on a aidé un Kiblin sur les trois à reprendre sa place dans la Kiblin box. Bah tiens, revoilà, hein. Celui-là je l'avais pas vu. Et donc du coup on a trouvé le deuxième. Parce qu'il y en a trois, on en a fait un, on l'a aidé, c'est celui qui devait courir super vite. Donc c'était bien stylé, ça c'était cool. Et là, je vois qu'il y en a un autre. Celui-là, je l'avais pas vu du tout la première fois. Alors, Killern, que puis-je faire pour toi? C'est toi qui remplace Lumion ce soir, hein. J'ai entendu parler de toi. Tant que t'es là, tu veux une petite énigme? Bah, allez, donne. Quoi, je devrais m'occuper de la Kiblin Box? Bah, je suis trop intelligent pour ça, je me soucie pas de choses aussi utiles. Mes collègues ne sont pas très malins. Je n'aime pas rester près d'eux trop longtemps. C'est mauvais pour mon cerveau. Que dirais-tu d'un jeu de réflexion? Trouve la réponse à quelques énigmes et j'envisagerai de retourner à la Kiblin Box. Allez, ok. Puisses-tu être digne de mon savoir? Voici ma première énigme. Une boisson sombre vendue tout près. Bulle matin pour t'aider à te réveiller. Combien coûte-t-elle? La réponse est dans ce quartier. Parle-moi lorsque tu auras la réponse. Et oh, consulte ton carnet de notes pour revoir l'énigme. Ok, Ouais, ok, j'ai ouvert mon carnet de notes, mais Ok, c'est juste pour me dire ça. Ben, je sais, ça va être au café, mais Donc, le panneau, on sait où il est, son panneau. On va récupérer des trucs comme ça. La carte du café, on sait où elle est, donc Est-ce que c'est écrit là-dessus? Pas du tout. Là où il y a la carte. Peut-être là-dessus, vous croyez que c'est écrit? Sandwich, déjeuner, boisson chaude, café, c'est... Ah, c'est... C'est ici. Ah, il faut juste se placer dessus. Ah oui, parce qu'on le voit pas, c'est pas écrit. 1,45. Ouais, ça va, il est sur des tarifs réglo, on va dire. Il est un peu cher, mais bon. Ça va. T'as les jambons beurre, ils s'emmerdent pas, hein, quand même. Enfin bon, voilà, ça c'est fait. Le reste me paraît relativement correct. Ok, du coup, faut qu'on aille... qu'on retourne au machin. Et ben, retournons à l'énigme. On n'avait rien d'autre. Vérifie des fois que j'ai oublié quelque chose. Allez, on est parti. On remonte. Donc la première énigme est résolue. Hop. J'ai trouvé la réponse, oui. C'était 1,45. Je pensais que ça allait me le noter direct. Alors, ta bonne réponse. Deuxième et dernière énigme. Dans une alcôve au-dessus d'un vieux puits, la date de naissance de Saint-Éclair est gravée dans la pierre. Quand était-ce? Attends, on l'a vu en plus, la statue de... Est-ce que c'est là? Non, c'est pas ici. Ah si, c'est là-haut. Ouais, faut que j'y monte. Récupérer ça au passage. Ah, je suis tombé. Rien de très grave. Hop. Ça va, on y est passé dessus. Donc, vous savez où c'était? 1222. Très bien. Donc ça va, on gère. Bon, ça va, les énigmes sont pas difficiles. C'est vraiment du chill. C'est vraiment le jeu chill par excellence. Il nous restera un Kiblin. Mais je sais pas où il est ce dernier Kiblin, par contre. Là, je l'ai bien perdu.
Allez, j'ai la réponse. Alors, encore juste, et voilà. Allez, bah retourne dans la Kiblin Box. Parfait. Donc il nous en manquera un. Mais le dernier, je sais pas du tout où il est. Hein. Alors est-ce qu'il est tout en haut? C'est possible, non? On gagne Mastune. Je crois que c'est possible qu'il soit tout là-haut. Non. Et je les ai perdus, eux, par contre. Ouais. Ils peuvent être par là. Parfois, je pense pas, mais... Ok. On va récupérer quelques trucs d'éclair. Bon, ça sera fait. Allez, je suis tombé. Là, c'est que j'ai perdu les derniers. On n'était jamais venu là. Bon, on a eu de la chance, on est tombé au bon endroit. C'était pas prévu. Il y a plein de trucs là. Je sais pas comment on va faire pour y aller, mais on ira. Je vois pas les derniers Kiblin. Est-ce qu'ils peuvent être par là? Possible. Je pense pas qu'il les ait mis si loin de l'endroit, mais non, ils sont pas ici en tout cas. Ils sont rue de l'Est, c'est sûr. Ils me l'ont bien caché. C'est moi qui suis un peu bête aussi, hein, c'est possible. Ah, ici, il n'y a rien, ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai raté? Je les ai forcément ratés à quelque part. Hein. C'est que j'en sais fichtrement rien. C'est qui peut être? Déjà ici, je peux descendre pour aller chercher ça. Et ça, c'est fait. Et après, du coup, je peux descendre pour aller chercher d'autres trucs. Et mais ça me dit toujours pas où est le dernier Kiblin. Grande magie. Ça, c'est fait. Bon. Et où est ce dernier Kiblin alors? Passons par là. Ok, c'est bon. Je crois qu'on a trouvé où il pourrait être.
Par ici, on a tout fouillé, donc c'est vite vu. Allez, voilà. Alors, qui tâche, qui find. Je crois que le 3 vient après le 5, ou alors c'est 8. Pas facile, les maths. Ouf. Alors. T'as l'air d'être souris intelligent. Ton joueur cache-cache. Ah non. Ça va être chiant, ça. Seulement si on promet de retourner à la Kiblin Box pour la réparer. Et qui pour demander des trucs comme ça à un esprit gardien? Bah oui, je suis un esprit gardien, du coup. Ça m'a l'air honnête. On dirait du chantage. On devrait s'occuper de la Kiblin Box de toute façon. Acceptons. Ok, ça marche. T'es prêt à jouer à cache-cache avec nous? Bah, j'ai pas trop le choix. Youpi, on va se cacher dans différents objets du jardin, mais qu'en haut pour l'instant. Tu ne peux rater que 3 fois. Vise bien avant d'électrocuter. Pour gagner, il faut que tu nous trouves toutes les 3. Allez, cachons-nous. Ok. Ça vibre. Ouais, ça vibre. La manette vibre. Grimpe. Non, tu veux pas grimper, si. Il y en a un. Magnifique. Bah là-dedans. Il bougeait. Dur, ce jeu n'est pas aussi amusant que prévu. Du coup, est-ce qu'on a réussi? Ou est-ce qu'il faut refaire? Que première partie, d'accord. Ça a juste été très mauvais. Ok. Encore une dernière manche. Allez, cette fois, on se cachera dans la partie en bas du jardin. Dis oui. Allez, bah je dis oui. Allez, cachons-nous. Donc dans la partie en bas. C'est pas l'air d'en être un. Ok, il faisait bien des étincelles. Ah non, c'était un échec. En voilà un. Alors, la manette, elle vibre, hein, de façon. Non. Non. Il bouge. Comment as-tu fait? Ah, celui-là? Ouais. Ce jeu n'est pas amusant, aussi amusant que prévu. Donc du coup, on a trouvé... Waouh, ce jeu était génial et tu as assuré. Merci d'avoir joué avec nous, souris. Et comme promis, on retourne à la Kiblin Box. Et pas un mot à l'union, je t'en prie. C'est l'heure de retourner à la Kiblin Box. Ok. Bien. On va prendre 2-3 trucs. On repart d'ici. Il doit y avoir un chemin que j'ai pas vu ici. Hein. J'ai raté à quelque part. Ah oui, mais... faut d'abord que j'aille remettre le jus. Et je me demandais pourquoi ça marchait pas. C'est bon. Allez, donc c'est parti. Allez, l'alimentation, c'est fait. Les puzzles, ça se renouvelle bien, je trouve. C'est plutôt sympa. Les petits trucs tranquilles, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Le plus dur, c'est de trouver les kiblins.
Allez, c'est remis en route. Impeccable. Et du coup, l'électricité est revenue. Impeccable. Séquence de redémarrage de l'alimentation terminée avec succès. Allez, ça fonctionne correctement. Je te remercie. Du fond de mon processeur multicœur accepte ce cadeau. Parfait. Une de plus. Allez. On en a 50, donc on va pouvoir aller débloquer un truc. Et hop, allons voir Sophie. C'est moi ou le courant s'est stabilisé? Pas de coupure depuis 5 minutes. Je vais enfin pouvoir terminer mon mémoire. Je vais m'offrir un bon petit déjeuner chez Michel demain matin. Je peux y arriver, j'aurai bientôt fini mes études. Et bah parfait. Du coup, on va récupérer donc du bonheur. On va l'emmener à Zozo. À Lumion. Parfait. Parfait, parfait. On ira aussi sur la place à la fontaine, ramener les lumières qu'on a trouvées supplémentaires pour les guirlandes. Écoute-moi bien. Beau travail, tu as réussi à aider les humains du quartier, je n'ai jamais douté de toi. Bon, pas tant que ça, mais reviens vite à la place du sud et parle-moi dès que tu peux. J'ai pas encore... J'ai encore assez de... Moi, si tu veux. Non, non, je vais pas le faire tout de suite. Hop, je vais d'abord vérifier qu'on n'ait pas raté un passage. Ça fait plusieurs fois que je me dis, putain, je... là, il y a forcément un passage à quelque part qu'on a raté. C'est par ici, il y a un passage, on a dû le rater. Ou alors, c'est pas encore dispo. J'en sais rien. Voilà, téléportons-nous déjà ici. Parce que de toute façon, on va aller voir machin. Maintenant qu'on a 50 guirlandes. Parfait. Allez, j'ai retrouvé des guirlandes. Ah, on a commencé donc une nouvelle... Nouvelle guirlande, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, ça, on l'avait pas acheté. Tempête électrique. Permet d'aller plus vite et de tout électrocuter en mode esprit électrique. Un vrai régal. J'achète. Ok. Reviens quand tu veux, tu sais où me trouver. C'est quoi le mode électrique là? Ah, ça on n'a pas tout fait, on est loin du compte hein, même. Je sais pas ce que ça veut dire le machin esprit électrique là qu'on a débloqué. Il peut peut-être me renseigner un peu plus. Je ne sais pas plus. J'ai pas tout bien compris, mais... Que ça, je pouvais le faire avant ou pas? J'en sais rien. J'ai pas tout bien compris, mais... What? Mais si, il y a plein de choses qu'on a dû rater. On n'a pas super bien fouillé à la place du sud. Là, faut sauter sur le...
En vrai, il faudra le refaire après encore. On est reparti, on va le refaire. Écoutez, on va se les faire, au moins ce sera fait. On va se faire les deux. Il faut qu'on en débloque pour débloquer tous ces pouvoirs. Enfin, j'ai pas débloqué les stickers du mode photo, bon, on le fera, mais... pas le truc qui m'intéressait le plus. Ok. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut aller voir Lumion. Mais sur la chaise, là, ça a l'air facile, non, de l'attraper. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas attrapé? Ah oui. Pas pourquoi on l'avait pas attrapé. Allez, on est parti. On a pas mal traîné, mais bon, on en a trouvé. On s'est fait plaisir. Alors, mon petit Lumion. Allez, donc t'es impressionné, on voit le bonheur. Je te l'envoie. Et on va sûrement attaquer une nouvelle mission. Ma force commence à revenir. Un bonheur d'une telle qualité gage d'un travail bien fait. Tu pourras apprendre des choses assez kiblin. Ce n'est pas suffisant pour que je puisse rentrer, mais il me faut plus de puissance. Je n'ai pas encore tiré l'affaire. Je sens des émotions plus fortes en provenance d'ailleurs dans cet éclair. Impressionnant, un esprit gardien aussi puissant que moi sans ces choses. Et ça vient du nord. La route menant au nord de la ville est bloquée par des clôtures. Tu ne peux pas les traverser, du moins pas encore. On n'a pas toute la nuit. Tiens, très bien, je vais t'aider. Allez, accroche-toi. Tu vas nous donner un nouveau pouvoir ? Ça serait sympa. Allez. Nouveau power-up. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveau pouvoir ? De la foudre parcours, tu peux te transformer pendant un court instant et passer à travers certaines surfaces. Fais en bon usage, souris. Oh, en pure énergie électrique, d'accord. Ta forme physique t'impose des limites, mais cela te permettra de passer à travers les clôtures et d'atteindre le nord de la ville. J'ai peut-être été trop dur avec toi. Vois ce geste comme une excuse de ma part, en quelque sorte. Ça fait pas de nous des amis, tu as toujours un devoir à accomplir. Va au nord de la ville et crée plus de bonheur, tu devrais... pouvoir y aller en passant par la rue de l'Est, cherche des clôtures. C'est magnifique. Ah ouais, mais c'est trop bien. Je peux pas monter ? Si, je peux monter. À quoi ça sert ? Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à travers... Ouais, mais c'est trop bien, attendez. Parce que là, du coup... Hop là. Nickel. Alors, on va pouvoir récupérer plein de trucs qu'on pouvait pas récupérer avant. Par contre, ça, faut sauter au bon endroit. Ça, c'était chaud, mais on y est arrivé.
Trop bien. Est-ce qu'on débloquerait pas un raccourci, messieurs dames? Parfait. Comment on fait pour savoir où on en est dans nos quêtes? Place du Sud, 20 sur 24. Ah, on est pas mal. 38 sur 47. Au nord de la ville, il y a 50 000 trucs à faire. On l'a pas fait, ça. Et il nous restera l'ouest de la ville, ouais. Ok. Ça, je pense qu'on débloque un raccourci qu'on n'avait pas débloqué encore. Je pense que c'est celui qui mène sur le toit, là-haut. Vers Lumion. Ouais, ça y est, on l'a débloqué. Ok. Bon, bah du coup, cool. On fait des trucs sympas, là. Du coup, maintenant, j'imagine qu'il y a plein de trucs qu'on pouvait, où on pouvait pas passer avant, que maintenant, on va pouvoir. Je ne sais où, mais... Donc l'autre, il nous a dit de passer par la rue de l'Est. Ça, je peux toujours pas y monter, là-haut. Il doit y avoir un moyen d'y aller, en plus. Mais bon, peut-être qu'on va débloquer un autre pouvoir plus tard, hein. Comme ça, je peux me déplacer plus vite, aussi. Souris. L'entrée du nord de la ville est au bout de la rue principale. Ah oui, sachez où ça. Et vous croyez qu'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas fait? Sûrement. Hein. Petite mise en garde. Quoi donc? On dit que le nord de la ville est bien plus étendu que ce quartier. Utilise ta carte si tu te perds. On n'a pas le... Ah si, on a la map. Mais je crois que sur les toits, il y a des trucs qu'on n'a pas fait à cause des grilles. Honnêtement, je sais plus où, mais... Putain, il y en a qui doivent être bien cachés quand même, parce que... Si, regardez, là-haut, je sais qu'on peut faire un truc déjà. Nickel. Et après, je vais pouvoir... Ah, là, du coup, il y en a une. Il y en a deux. Il va falloir remonter à chaque fois. Et trois. Il faudra remonter pour celle-ci. On a quand même trouvé pas mal, déjà. Non? Pour le temps que ça se recharge... Ok. Alors, il y a d'autres endroits, c'est sûr. Je ne sais où, mais il y a d'autres endroits. 42 sur 47. Alors, écoutez, on n'a pas été si mal. Alors, il me semble qu'il y a un endroit là où il y en a. Caché dans une grille, je sais pas où. Je sais plus où elle est. C'est peut-être pas ici, c'est peut-être dans une autre place. Je sais plus. Allez, on va découvrir un nouvel endroit. C'était peut-être derrière nous, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On est passé. On arrive au nord de la ville. Ça promet. Oh, il y a de l'eau. Oh, c'est magnifique. Mais c'est superbe. Oh, c'est juste génial. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On prend vraiment plaisir. On prend vraiment plaisir. Ah, vraiment superbe. Vraiment superbe. Espérons que les Kiblins de son quartier seront plus utiles. Oh, zut, je prends mes déserts pour des réalités. Quoi qu'il en soit, je sens 4 habitants en détresse ici. Bonne chance. On a cru comprendre. Donc le premier, oh, il est droit devant nous. On a tellement vite fouillé, regardez la farm. Non, mais c'est juste génial. Bon, allez, allons par là.
On va aller faire un petit tour où on ira après, peut-être quand on va farfouiller. Regardez, il y a des petits passages. Oh, y a... Donc ça, ça va, je sais pas où. Pourquoi est-ce qu'on pourrait décider de... Ok, ok, on va aider donc cette pauvre dame. Il a l'air d'avoir des soucis avec son électricité, du coup. Ah non, c'est un artiste peintre. C'est un jeune homme Eugène. Quel malheur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi ai-je autant d'inspiration maintenant que les lumières sont éteintes? Ok. Je vois une forêt, de très grands arbres, de la lumière entre les feuilles, un nid, un renard. Je veux peindre. Je dois peindre. Mais je suis impuissant dans l'obscurité, la douleur et la tristesse vont me noyer. Et ça rime. Je devrais la noter, celle-là. Bon. Alors. Craquement venu du toit. Ok, c'est tout là-haut, la Kiblin Box. Ok, il y a de quoi s'occuper. Endommager le générateur. Eh ben... Ok, on va y aller. Cette enseigne de pharmacie qui clignote devant ma fenêtre me donne la migraine. Ouf. Mon prochain tableau sera mon chef-d'œuvre. Je le sens dans mes os et dans mes pinceaux. Mais sérieusement, je ne peux pas aller dormir avec toutes ces idées. J'espère que le courant reviendra vite. Allez, je m'en occupe. Du coup, qu'est-ce qu'on a raté déjà ici? Donc on peut monter par là, on peut monter par où on veut en fait. Bien sûr. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, on remonte. Ah, c'est plutôt bien fichu, hein, franchement. Oh, franchement, quel bonheur, quel plaisir. Il doit y avoir un truc à faire là, avec les machins qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, on est arrivé ici. Je sais pas si c'est le bon endroit. Oui, ça doit être le bon endroit. Si on monte par là? On peut pas monter là-dessus, non? Là non plus. Là, il y a une lampe. Magnifique! Ça, ça m'amène encore plus haut. De toute façon, je peux pas monter au-dessus. Je vérifie quand même. Ok. Et on est arrivé tout en haut. Ok. Ah, mais attendez, il y a encore des trucs. Je pourrais passer à travers. Ah, mais attendez, il y a des boîtiers de partout en vrai. Là, ça va être dingue. Là, ça va être dingue. Menu Kiblin. Ah, c'est juste génial. On va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Il y en a deux à trouver. Une étiquette centre nord. Veux-tu l'activer? J'active. 50 unités d'énergie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il va falloir récupérer beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Initiation de la séquence de redémarrage. Hello world. Et oui, on peut pas l'activer. Il nous faut les deux Kiblin. Alors, où est-ce qu'ils sont ces Kiblin? Montre-nous. Merci rongeur. Insérer un message de reconnaissance. Hop, le système de suivi des Kiblin. Comme d'habitude, on l'active. Très bien. Alors, le SSK est activé. Et du coup... Ok. Il y en a un juste là. Très bien. Ok. Et ben... Par contre, il y en a deux. Je sais pas du tout où ils sont. On va être bien loin.
toute façon, ils sont autour de la maison de cette personne. On va prendre ces deux boîtes. Voir un petit peu où ça mène. Ah, ça, on a activé le machin. Ok. Et maintenant, je vais prendre l'autre. On avait une autre un petit peu plus loin. Comment je fais pour aller sur ce toit, là? Pour descendre après en dessous. Ah, c'est là, il faut que je fasse ça. Ok. Là, je peux récupérer ça. Ah, parfait. Par contre, les deux autres qui blancs, là, je sais pas où ils sont. C'était vers des chaises et tout. Il y avait des chaises. Là, c'est chaud, là. Faut que je réussisse à aller. Il faut que je saute de plus haut. C'est possible, ça? Ça avait l'air quand même vachement haut, non? Ça, on l'a pas fait, ça, non plus. Ah si, celui-là, il m'a amené là. Mais attendez, il est où, son pot, à l'autre? Le pot, il est sur la barrière, ici. Ouais. Putain, mais il est vachement loin. De toute façon, c'est ici qu'on n'a pas fait. Je sais pas où on est, mais ça nous fait descendre en tout cas. Et on s'éclate. Hein. Mais c'est tellement grand. Mais c'est tellement grand. Mais c'est tellement grand. Oh mais attendez, mais c'est génial. Allez, on visite un peu, puis on finira l'épisode, quoi. On a débloqué un raccourci. Mais là, ça passe pas, là. Et ouais, mais là c'est trop loin, faut que je saute d'où? Je sais pas d'où il faut sauter, de tout en haut, vous croyez? Non, mais c'est chaud là. Donc là, ça remonte ici très bien. En fait, ça fait le tour de la maison du peintre là. Ça, on n'y a pas pris ça, on est d'accord. On va encore ailleurs. Qui est fabuleux. Et ça, on venait juste pour ça. Ça, ça redescend. Là, il y en a un autre derrière. Hein. Il était bien caché. Magnifique. Il n'y en a pas un où on peut sauter. Oh là 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 là, il y a tellement de choses, mais c'est trop trop bien. Par contre, j'ai pas trouvé les autres Kiblin. Ah, ça va être stylé, ça va être stylé. Il y a juste un petit endroit qu'on n'a pas fait. Oh, je m'étais craché. Oula. Il y a juste ce petit endroit là qu'on n'a pas fait. Ça, on n'a pas bien compris ce qu'il fallait faire. Ah mais on passe en face. Et j'imagine que ça a une incidence, ouais, si on met ou pas les volets. Que ça va faire des choses. C'est juste de ouf. Ah, c'est juste de ouf, là. Et en fait, j'ai jamais envie de m'arrêter. En fait, t'as jamais envie de t'arrêter.
Bah écoutez, je sais pas où ils sont, on les trouvera la prochaine fois. On va se téléporter ici, on va amener les trucs à la... pour la guirlande, et puis on va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Écoutez, on aura fait un bon chemin. On a bien avancé. Donc on se fera le premier Kimlin qui est devant le machin. Et les autres, je sais pas. On a trouvé plein d'ampoules, on a encore développé du pouvoir. Alors, tout moins un truc. Alors ça. Carte de l'Ouest. Bon, j'en ai pas besoin tout de suite de la carte de l'Est. Et le radar en poule, pour l'instant, j'en ai pas besoin, on va dire. Ça sera plus tard. Ok. Et on en a trouvé combien, là, au nord? 8 sur 50. Ok. On peut pas se téléporter. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Je peux pas me téléporter vers l'équipe Kimlin. Ok. Bah, tant pis, on retraversera la ville. C'est pas très grave. Bah écoutez, c'est génial. C'est génial. Je sais pas quoi dire d'autre, hein, à part que c'est génial. Hein. Vraiment, vraiment, c'est trop bien. Ah ouais. Quelle éclate. Vraiment. Bah écoutez, mettez un petit like en tous les cas si ça vous a plu. Nous, on se revoit donc bientôt pour la suite donc de The Spirit and the Mouse. D'ici là, bah, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous. Et à très vite.